l'Italie, les Alliés, après avoir enfoncé la ligne Gustave, attaquent la ligne Adolf Hitler. Les blindés et les canons alliés, repoussant les nazis, avancent le long des routes en nombre formidable. Cassino est tombé. Après un barrage plus violent que celui des Britanniques à El Alamein, les Alliés ont percé les fameuses défenses allemandes. Chars et fantassins se déversent à travers les brèches causées par les canons. Les troupes françaises font du magnifique travail. Conduites par le général Jumain, elles se sont brillamment distinguées dans les premières phases de l'offensive. Les troupes italiennes et le régiment des Bersaglieri, qui se battent bravement à côté des Alliés, ont été inspectés par le prince héritier Umberto. Tandis qu'au sud, les batailles terrestres font rage, les maraudeurs du 12e groupe de l'aviation américaine pilonnent le pont de chemin de fer près d'Incisa, sur la ligne Florence-Rome. L'aviation militaire rend de plus en plus difficile aux Allemands l'arrivée de leur ravitaillement sur le front italien. Les prisonniers allemands, au nombre de 7000, ont commencé à arriver peu de temps après le début de l'offensive. Ils ont l'air heureux d'en avoir fini avec la guerre et d'avoir la vie sauve. La route à travers l'Italie a été longue, dure et difficile. Mais l'avance alliée continue. Alors que la conférence des premiers ministres tirait à sa fin, Monsieur Churchill emmena les délégués visiter certaines unités de l'immense armée rassemblée en Grande-Bretagne. Avant de partir, il souhaite bonne chance au général Eisenhower, commandant en chef des forces que les premiers ministres ont inspectées. De retour à Downing Street, un accord historique a été signé en vue d'une politique commune pour la paix. Quelque part en Grande-Bretagne, l'aviation américaine a une des installations militaires les plus originales du monde. Celle-ci a commencé lorsque les planeurs et les hommes sont arrivés des États-Unis en nombre considérable. Ne sachant trop où se loger, les hommes se sont installés dans les caisses à claire-voie des planeurs. Maintenant, dans des rues portant le nom de célèbres avenues américaines, ils se détendent après une journée de dur travail. Communauté rapidement croissante, le camp montre ce que l'ingéniosité peut créer de presque rien. À peu près tous les hommes ont un poste de radio qu'ils ont fabriqué de leurs propres mains. Même les salles du mess sont faites de caisses à claire-voie. Un des bâtiments les plus populaires, c'est la boutique du coiffeur, qui comprend tous les accessoires possibles, dont un maître coiffeur. Son fauteuil, fait en un après-midi, est peut-être primitif, mais il monte ses clients à son niveau, et après tout, c'est cela qui importe. À une base du nord de l'Angleterre, la flotte métropolitaine
reçoit la visite du roi, qui est reçu à bord par l'amiral Fraser, le commandant en chef. Les musiques de plusieurs navires ont donné au tour d'inspection du roi un harmonieux accompagnement. Avec l'amiral Fraser et les chefs d'état-major, le roi assiste à la conférence quotidienne du commandant en chef. L'habillement de l'équipage d'une torpille humaine a diverti le souverain, qui a montré un grand intérêt à la torpille elle-même. C'est la première fois que l'on montre des photographies de cette arme nouvelle et efficace. Le petit sous-marin est conduit par des batteries électriques. Sa dimension est celle d'une grosse torpille. Il porte à l'avant une charge explosive détachable de 250 kg. Il est submergé près de l'objectif et l'équipage respire à l'aide de bouteilles d'oxygène. Il repart dès que la charge est fixée sous le navire ennemi. Une autre arme nouvelle qui a retenu l'attention du roi est le sous-marin de poche. Ce sont des submersibles comme celui-là, qui, en septembre dernier, ont endommagé le grand cuirassé allemand Tirpitz dans un fjord norvégien. L'aéronaval fait des manœuvres. Les Barracuda et autres appareils exécutent des attaques simulées contre leurs propres porte-avions. À la fin du jour, les musiques de la marine jouent l'hymne du crépuscule.